Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, on est au mois de décembre, donc forcément, je vais vous parler d'idées de cadeaux de Noël de luxe. Vous savez que j'adore faire ce type de vidéo chaque année. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à regarder mes vidéos précédentes sur le sujet parce qu'elles sont encore d'actualité. Tu as plein de pièces qui sont encore vendues. Surtout que je t'ai fait des vidéos cadeaux de luxe à moins de 50€, moins de 150, moins de 200. Donc j'ai essayé de faire du tout budget. Et en plus, je fais des sélections pour femmes, pour hommes et pour enfants. Donc n'hésite pas à regarder mes vidéos précédentes. Mais là, du coup, on se retrouve pour des idées cadeaux pour lui comme pour elle, à moins de 200€. C'est une vidéo en collaboration avec Farfetch. Donc du coup, je vais te mettre le lien en barre de description de toute ma wishlist. Donc tu vas retrouver tous les articles. Et je te partage en fin de vidéo un code promo. Avant de débuter la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, pour voir mes tenues, pour me poser des questions, pour participer à mes vidéos. Bref, je ne vois pas quel autre argument je peux mettre sur la table. Donc n'hésite pas à me rejoindre, c'est gratuit. Et en plus, si tu m'apprécies, franchement, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok. Je fais plein de vidéos spontanées. Donc voilà, c'est plutôt fun, plutôt détente. Et bien évidemment, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, à commenter, à partager, à activer la cloche. Oui, comme ça, ça fait beaucoup, mais c'est gratuit. Et c'est surtout que c'est la meilleure rémunération possible pour mes heures de recherche, de montage et de travail. J'arrête avec mon auto-promo, on passe dans le vif du sujet. On commence tout d'abord avec un cadeau unisexe. Il s'agit d'un faux col JW Anderson. Donc les faux cols, c'est la grande tendance, on en a vu l'année dernière et l'année précédente, mais cette année c'est vraiment un must-have. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste les écharpes. Je trouve que c'est encombrant, je trouve que ça me gêne, je me sens complètement engoncée, donc je n'aime pas du tout les écharpes. Alors que j'adore les faux cols, pour moi c'est un super moyen d'être emmitouflée, d'être au chaud parce que là il commence vraiment à faire froid, mais tout en gardant du style et sans avoir ce côté un petit peu trop encombré. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi à pas aimer les écharpes, mais moi franchement je n'aime pas du tout. Par contre les faux cols, j'en ai mis moi sur ma liste de Noël, et là celui de JW Anderson, je voulais sélectionner en jacquard gris avec une petite ouverture. Je le trouve très chic, il a un côté années 70s, il a un côté tout doux, il existe en plein de coloris bien évidemment, et il est au prix de 150€. Et c'est surtout que vous pouvez le porter aussi bien si vous êtes une femme qu'un homme. Et en termes de matière, parce que c'est bien joli, parce que effectivement c'est à moins de 150€, c'est très beau, mais est-ce que ça tient chaud? Oui, c'est en 100% mérinos, donc pas désagréable à porter, et ça tient très chaud. Franchement, moi je trouve que c'est une très belle pièce, c'est à la fois mode, ça va vous servir, donc pour moi, j'achète. On passe maintenant à Balmain. Je vous ai sélectionné deux pièces. La première pièce, c'est une brassière. Alors pourquoi une brassière? Vous allez dire, mais Mélissa, ça sert à quoi? Vous savez que les brassières, c'est très tendance. Mais également, en ce moment, il y a ce côté underwear visible. C'est-à-dire, on montre un petit peu sa lingerie. Donc typiquement, vous savez, c'est vraiment le style de Bella Hadid, de Hailey Bieber, c'est-à-dire que vous avez votre brassière, vous avez une chemise blanche un peu portée comme un gilet, donc ouvert, vous avez un legging, des baskets et une casquette, et vous êtes super tendance. Vous pouvez même mettre un petit pull sur les épaules, et franchement, c'est clairement le look de toutes nos célébrités du moment, et en plus là c'est Balmain, donc c'est super élégant. Très belle maison française. Et en termes de prix, on respecte notre enveloppe budgétaire puisque la brassière est à 153€. En parlant de casquette, forcément, vous savez que si je vous propose un look comme ça en tête, il faut que je puisse le composer. Eh bien, je vous ai sélectionné une casquette Balmain. Pareil, c'est une casquette unisexe, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez complètement porter la casquette. Je la trouve très jolie, avec le logo comme ça, c'est hyper tendance. Et donc, cette casquette brodée est à 160€ avec tout le joli packaging. Franchement, j'adore cette maison. En plus, ça change des autres maisons qu'on voit beaucoup au niveau des casquettes. Et j'adore la maison Balmain, et c'est vrai que j'en parle pas assez souvent, et vous me le dites en commentaire. On passe maintenant à une maison que j'adore, c'est la maison Courrèges. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises.
Et au-delà de ça, vous savez que j'aime bien faire des cadeaux pour la maison, parce que je vous ai dit pour lui comme pour elle, mais il y a aussi la maison. Et d'ailleurs, si vous voulez des petits prix dans l'univers du luxe, n'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet Home, parce que vous avez des prix plus abordables, et on y reviendra tout à l'heure. Là, je vous ai sélectionné une bougie, vous en avez plein sur le site Farfetch, vous avez plein de bougies Courrèges, mais la rouge comme ça, vermeille, je trouvais que c'était une belle signature de la maison. Et donc, cette bougie est à 55€, et chaque bougie a un titre, a une identité, et je vous ai sélectionné l'empreinte. On continue chez Courrèges, j'adore leur prêt-à-porter, les vestes en vinyle, les jupes en vinyle, leurs souliers, mais également au niveau du prêt-à-porter, puisqu'on a une enveloppe budgétaire, je vous le rappelle, à respecter. Et là, je vous ai sélectionné un t-shirt avec des découpes. Je trouve ça très joli. Bon, après, c'est vrai que ça dépend aussi de votre morphologie et si vous êtes pudique ou non. Enfin, voilà, ça dépend de vos goûts. Donc, comme là, c'est des cadeaux de Noël, assurez-vous que c'est le style de la personne. Mais je trouve que les découpes comme ça, c'est vraiment flatteur pour la silhouette. Ça vous fait une taille de guêpe. Et donc, celle-ci avec les raccords blancs, je trouvais ça vraiment canonissime. Et donc ce t-shirt est à 193€. Je vous ai parlé tout à l'heure de la collection maison. On passe chez Dolce & Gabbana et là je vous ai fait une sélection très 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 sympa à plein de prix et surtout qu'on respecte notre enveloppe, mais on est à moins de 200€, voire plus. Enfin, voire moins. On commence avec un lot de 12 dessous de verre à 80€. Les dessous de verre, quand vous aimez recevoir l'art de la table, c'est magnifique. En plus, ils ont un recto et un verso. Du coup, si vous avez envie de changer un petit peu de thématique ou d'imprimer, vous pouvez complètement le faire. Donc, il y a plein de coloris, mais je vous ai sélectionné mon coloris préféré parce que les autres coloris, c'était des couleurs un petit peu criardes, un petit peu très... Oui, un peu multicolore. Moi, j'aime le côté bicolore, c'est plus mon style. Mais là, il y a un côté carreau de ciment, il y a un côté un petit peu inspiration de l'Italie, du Portugal et même de la France. Mais là, vous voyez, vous avez une belle collection de verres en cristal, de belles assiettes et ces dessous de verre. Et sachant que je n'ai pas sélectionné que les dessous de verre, je trouve ça très élégant. Et 12 dessous de verre pour 80€ pour la maison Dolce & Gabbana, je trouve ça plutôt accessible. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais sélectionné des dessous de verre, mais pas que. Je vous ai sélectionné 36 sets de table à 130€. Donc vous voyez, 36 pour 130€. Encore une fois, on parle de luxe puisque c'est la maison Dolce & Gabbana. Et voyez, vous avez vos dessous de verre avec les sets de table et c'est super chic. Vous avez une nappe en dessous avec un petit peu de broderie anglaise ou même de la broderie. Je trouve ça... C'est tout ce que j'aime, il y a un côté méditerranéen, un côté élégant, un côté vintage, je trouve que ça fait un magnifique assortiment. Et puis encore une fois, ce sont des cadeaux sans âge, vous pouvez l'offrir à une sœur, une chérie, une maman, une mamie, ce sont des cadeaux qui feront toujours plaisir. Toujours au sein de la maison, Dolce & Gabbana est toujours dans la partie home, je vous ai sélectionné une pièce qui est un petit peu plus chère, c'est un ensemble en porcelaine, donc vous avez la tasse, et vous avez également l'assiette en dessous, donc voilà, pour être très chic, pour boire le thé, moi je trouve ça d'une élégance folle. D'ailleurs en ce moment je regarde une série, enfin c'est pas vraiment une série, c'est une émission sur Netflix, sur justement l'art et les codes de l'excellence, et il est indiqué qu'il faut vraiment boire sa tasse avec sa petite assiette, et donc cet ensemble est à 145€, c'est une pièce qui est vendue en un seul exemplaire, mais bon, c'est très élégant, et puis le côté avoir des tasses dépareillées, je ne trouve pas cela très choquant. On passe maintenant chez Versace. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au travail, je suis une mania des carnets. Je note mes to-do list dans mes carnets, et sans mes carnets, d'ailleurs, je n'arrive pas à m'organiser. Donc moi, j'adore ce côté papier, ce côté écriture. Et en plus, quand j'écris ma to-do list, j'essaie de m'appliquer et de bien écrire, puisque je suis gauchère. Donc, quand je ne fais pas attention, clairement, j'écris comme un médecin. Et en fait, j'ai vraiment un goût pour les jolis carnets. Et là, je vous ai sélectionné un carnet Versace Medusa à 95€ puisqu'il est en cuir. Mais à voir si on peut changer le cahier à l'intérieur. Mais en tout cas, je le trouve très beau avec le Medusa comme ça en relief. Ça reprend les codes du sac iconique Medusa. Et encore une fois, c'est un très joli cadeau. Moi, j'adore les beaux carnets. Je trouve que... Voilà, j'ai un goût pour le papier, pour le livre, pour ces matières. Et on continue chez Versace. Pour moi, quand je pense Versace, je pense à sa maison de Gianni Versace, qui est devenue un hôtel et restaurant. Donc, il y a ce côté aussi très lifestyle, vous savez, avec de la décoration d'intérieur, également toute une partie art de la table.
mais aussi des vêtements de maison. Donc je vous ai sélectionné des chaussons. Ce sont les chaussons I Love Baroque à 97€. Encore une fois, quoi de mieux que d'avoir de jolis chaussons et des chaussons de luxe. Là, 97€, c'est une somme, mais ce sont des chaussons qu'on garde quand même un long, long, long moment. Moi, j'ai des chaussons qui sont dans un état pas possible, mais que je garde. Et voilà, vous avez un joli peignoir, ces chaussons, et c'est magnifique parce que il faut savoir qu'avec la crise, avec la pandémie, on passe de plus en plus de temps à la maison. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis déjà de base très casanière, mais je suis devenue encore plus casanière, et surtout avec le froid, parce qu'on arrive à la période de Noël. Et quoi de mieux que d'avoir de jolis vêtements de maison? On continue dans les vêtements de nuit. Je vous ai sélectionné un masque de nuit qui est à 120€. Alors pourquoi un masque de nuit? Parce que pour moi c'est très chic. Voilà, quand on a un masque de nuit, il y a tout de suite une certaine élégance, un certain raffinement. Mais en plus, c'est très bon pour la santé de dormir dans un noir complet. Moi je sais que je vis dans un appartement haussmannien assez ancien, donc finalement les volets n'arrivent pas, enfin ne couvrent pas 100% de ma fenêtre, donc je dors toujours avec une petite lumière, ce qui fait que je me lève très souvent aux aurores, donc pour moi ce serait un cadeau très utile. On passe maintenant au sein de la maison, Giuseppe Zanotti, qui est un chausseur d'exception. C'est vrai que je ne parle pas assez de cette maison. Le but de cette vidéo, c'était aussi de vous faire une sélection qui change, de vous parler de maisons dont j'ai pas forcément l'habitude de parler. Et je vous ai sélectionné un porte-carte effet lézard en couleur camel. Je vous ai dit que le marron était ma couleur préférée, mais c'est surtout que je le trouve très chic, très élégant. Je ne voulais pas vous sélectionner les porte-cartes qu'on voit partout. Pour cela, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites il y a un an ou deux ans, que vous allez retrouver du coup. Mais là, j'avais envie de quelque chose qui change. Et en plus, pour un porte-carte de luxe, je le trouve plutôt accessible puisqu'il est à 83€. Et sur son secteur, vraiment sur ce gamme, vraiment sur cette gamme de maisons, c'est le porte-carte le moins cher. Puisque bien souvent, les porte-cartes de luxe sont en toile enduite. Là, c'est du cuir, donc du cuir à 83€. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et encore une fois, c'est un porte-carte qui est mixte. On passe maintenant à la maison Isabelle Marant. J'adore cette maison, j'adore ce style, ce look. Et c'est surtout qu'en ce moment, cette maison, alors elle est jamais partie, mais elle revient en force avec une identité très parisienne, un peu effortless. C'est-à-dire que la parisienne dans le monde, elle a cette réputation d'avoir un style de folie, mais elle n'y a pas vraiment réfléchi, c'est vraiment sans effort. Donc là, je vous ai sélectionné deux pièces. La première pièce, moi j'adore, c'est un bob en jean effet délavé gris à 120€. Vous savez que j'adore les couvre-chefs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu plus mon style. Mais moi, les bérets, les chapeaux, les bobs, j'adore ça. Et donc là, je vous en ai sélectionné un parce que pareil, c'est un bob, c'est facile à porter. Et en plus, celui-là en jean a un côté très moderne, très tendance. Et également, je vous ai sélectionné une petite pochette à 95€. Pourquoi la pochette? Parce qu'en fait, c'est toujours utile. Moi, dans mon sac, j'ai une pochette pour mettre mon chargeur de téléphone, un petit parfum de secours, un petit rouge à lèvres de secours, mes petites choses de fille. J'ai une autre pochette pour mettre mes papiers, mes ordonnances, etc. En fait, on a toujours besoin de pochettes. Et souvent, en entreprise, la pochette, on se balade avec. Typiquement, quand on va à la cantine, on a notre petite carte ticket restaurant et notre téléphone, on se balade pas avec notre gros sac. Donc la pochette, elle a un côté très visible en fait, on la voit. Donc c'est un accessoire de mode et je vous ai sélectionné celle-ci, toujours dans ce côté jean un peu délavé que j'adore. On passe chez Jacquemus, oui oui oui, parce qu'en fait, la grosse chaussette effet sportive et très tendance. Vous avez des très beaux mocassins, hyper chic, hyper élégants, et des grosses chaussettes avec une petite jupe plissée, c'est canon. Et pour les hommes, avec un joli pantalon à pinces, c'est canon également, surtout avec le froid. Il vaut mieux se prémunir du froid et avoir de bonnes chaussettes. Et celles-ci sont plutôt très accessibles puisqu'elles sont à 35€. Alors oui, 35€ pour des chaussettes, vous allez me dire, oh, c'est un peu cher. Mais là, il s'agit de chaussettes Jacquemus. Et pour avoir acheté des chaussettes françaises, voilà, je sais plus la marque, mais on était sur le même prix. Et j'avais offert ça à mon chéri. J'avais offert d'autres cadeaux, mais je lui avais offert des chaussettes. Et franchement, il avait adoré. On passe maintenant à une maison que j'adore, c'est Marine Serre. Et là, je vous ai sélectionné deux pièces et il s'agit d'ensemble. La première, c'est une grosse écharpe. Et là, vous allez me dire, Mélissa, t'as commencé la vidéo en disant que tu détestais les écharpes. Oui, je n'aime pas les écharpes, mais ça ne veut pas dire que vous, vous n'aimez pas ça. Et je peux avoir des coups de cœur pour des écharpes, les trouver très jolies. Après, moi, franchement, vous me voyez, je suis 1m50, j'ai une toute petite tête,
j'ai un cou qui est pas très grand, donc oui, porter des écharpes maxi, c'est pas mon truc. Mais sur des filles ou des garçons grandes, élancées, ou des gens plus petits mais qui portent très bien l'écharpe, ben, j'adore ça, mais j'aime pas ça sur moi. Donc là, je vous ai sélectionné une écharpe avec le logo signature de Marine Serre, à savoir la lune, et j'ai adoré les couleurs. On a du blanc, on a du gris chiné, on a du noir, c'est clairement les couleurs de l'hiver, et vous pouvez même porter une écharpe avec un manteau de couleurs, c'est canon. Et donc, l'écharpe est à 190€, et vous savez que j'adore accorder. Donc, je vous ai sélectionné des gants du même imprimé, qui sont à 150€, mais qui sont très hauts. Et alors moi, je trouve que les gants hauts, c'est d'un chic, c'est élégant, c'est raffiné. Je me demande même d'ailleurs si le jour où je me marie, je mets pas des gants hauts. Je trouve ça mais beau, je trouve ça d'une beauté. Et en plus, ça me permettrait de cacher mes tatouages le jour de mon mariage, parce que je ne veux pas montrer mes tatouages le jour de mon mariage. Mais bref, c'est pas le sujet. Les gants, je les trouve très beaux. On peut mettre ça sous un pull, c'est-à-dire quand vous mettez vos gants, bah, vous mettez votre pull par-dessus, ou vous avez quelque chose de plus étriqué et vous mettez par-dessus. Franchement, c'est beau, c'est raffiné et ça tient chaud, donc encore une fois c'est utilitaire et ça fait un très beau raccord finalement. Et c'est surtout que moi qui porte des gants, souvent sur cette partie j'ai froid. Là au moins on n'a plus ce problème. On passe maintenant à Moschino et je vous ai sélectionné un parapluie parce que qui dit hiver, même automne, hein, dit froid, dit pluie, dit neige, donc parapluie. Et c'est surtout que si vous me suivez depuis un petit moment, moi j'ai un parapluie Moschino que j'ai acheté il y a quasiment un an, que j'adore, qui est super solide, hyper rigide, il s'abîme pas. Et je trouve ça d'un chic d'avoir un beau parapluie. C'est surtout qu'en ce moment il fait de plus en plus moche. Donc le parapluie en fait, il a aussi un côté mode en fait, il est aussi assorti à votre tenue. Donc je vous en ai sélectionné un, très beau, plus classique, en noir avec un petit M doré. Et donc le parapluie est à 73€. Et encore une fois, voilà, moi je trouve que c'est un très beau cadeau, sachant que pour en avoir un, c'est d'une qualité incroyable. Et puis en plus, très joli packaging. Donc voilà, maintenant c'est un accessoire de mode. Et par contre, quand vous l'ouvrez le jour de Noël, ne l'ouvrez pas en grand, hein, vous savez que ça porte malheur. On passe maintenant chez Paco Rabanne. J'adore cette marque, pareil. Ça faisait un petit moment qu'on n'entendait plus trop parler de Paco Rabanne, et là avec leur sac à sequins, etc., ça revient en flèche. Je vous ai sélectionné un top à manches longues, mais qui est crop, et qui est à 162€. Et là vous allez me dire, mais ça en hiver, du crop. Oui, mais vous pouvez porter un jean taille haute, vous pouvez porter une jupe taille haute, vous pouvez porter un legging taille haute avec des grosses chaussettes et des baskets, et c'est hyper stylé. Donc encore une fois, il y a aussi ce côté layering, vous pouvez rajouter une chemise, vous pouvez rajouter un gros gilet, une grosse maille, et être emmitouflé. Donc moi j'aime beaucoup, en plus je trouve qu'il y a une jolie silhouette, et le côté bandeau, très haut comme ça, c'est ultra tendance. Ensuite, j'adore la maison Stella McCartney. Je vous ai sélectionné une ceinture un peu chantier mais avec de très jolies couleurs, donc qui est en polyester recyclé et qui est à 175€. Et là pareil, soit on joue le côté premier degré, c'est à dire vraiment streetwear, soit on va casser un look très chic, mais moi j'adore en fait, je trouve ça très beau. Pour moi les ceintures c'est un véritable accessoire de mode, j'en ai plein de plein de styles différents, et j'adore Stella McCartney. Je sais que au tout début je vous avais fait une vidéo en disant oh je suis pas trop fan, mais depuis que je me suis fait mon propre cadeau d'anniversaire avec le sac là, avec les gros chaînes, j'ai vraiment eu un coup de cœur, et c'est surtout que j'ai vraiment commencé sérieusement à m'intéresser à cette maison. Et j'adore. On passe maintenant à Vivienne Westwood. Alors c'est une maison que j'adore. C'est vrai qu'on le voit un peu moins dans mon style, etc. Mais j'ai vraiment un côté rock, un côté punk. Voilà, moi j'adore Vivienne Westwood. J'ai même un côté, d'ailleurs, parce que c'est la thématique, il y a la série Mercredi Addams. Il faut savoir, fun fact, que depuis des années, on me compare à Mercredi Addams. Et depuis des années, c'est mon déguisement à Halloween, même si je suis pas très fan d'Halloween. Et je vais vous montrer comme ça. Mais vous allez voir, bon là en même temps je suis maquillée, mais franchement, vous voyez, si je fais un peu la tronche, dites-moi en commentaire si vous trouvez que je ressemble à Mercredi Addams. Mais on me le dit très souvent, bon, en même temps les cheveux foncés, les gros sourcils, le rouge à lèvres, et puis je sais très bien faire la gueule. Bref, donc Vivienne Westwood, j'adore cette marque, je vous ai sélectionné plein de petites pièces. Je vous ai sélectionné un premier porte-clés à 55€. Que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, le porte-clés, pour moi, il y a un côté émotionnel, il y a un côté sentimental. C'est-à-dire qu'un porte-clés, encore une fois, 55€, c'est plutôt accessible. Mais en fait, c'est les clés. Finalement, on utilise ça tous les jours.
tout le temps, tout le temps. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit le porte-clés, il y a un côté émotionnel. Ah, c'est un tel qui me l'a offert, etc. Donc moi, j'aime beaucoup l'émotionnel. Vous savez que j'ai un goût particulier pour le storytelling. Et j'aime les cadeaux où en fait, on pense à vous régulièrement. Donc je vous en ai sélectionné un premier à 55€ et un autre à 65€ en fonction de vos couleurs, soit doré, soit argenté. Et encore une fois, c'est un cadeau mixte et ça reprend le côté orbite iconique de la maison Vivienne. Mais voilà, si vous avez des budgets comme ça de 30-50€, eh bien les porte-clés, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Ensuite, je vous ai sélectionné un porte-monnaie à 120€ en cuir. Et en fait, ce que j'adorais, c'est sa forme très vintage, très époque victorienne comme ça. J'adore. Moi, j'ai un côté très... Oui, moi, j'adore, par exemple, les séries comme Hercule Poirot, comme Sherlock Holmes. Et en fait, dans, voilà, les porte-monnaies comme ça, ça me rappelle un petit peu cette époque. Enfin, ça me rappelle... j'y ai pas vécu, ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que j'aime bien ce clin d'œil. Et Vivienne Westwood, elle incarne complètement le côté vintage, rock, punk à l'anglaise et j'adore le style anglais. Et enfin, dernière pièce que j'ai sélectionnée chez Vivienne Westwood, ce sont des baskets à 187€. Pareil, ce sont des baskets unisex et c'est surtout qu'à chaque fois vous me dites « Mais Mélissa, tu sélectionnes jamais de baskets ». Celles-ci, elles me plaisaient bien parce qu'elles ont une forme très classique mais vous avez cette énorme orbite. Et c'est surtout que j'aime bien le côté où c'est, certes c'est un logo, mais si vous connaissez pas Vivienne Westwood, bah vous repérez pas que c'est Vivienne Westwood. Donc j'aime bien ce côté logo, mais on sait pas trop ce que c'est, si c'est un dessin ou autre, que j'aime beaucoup. Et là, pareil, vous êtes un homme, petit pantalon à pinces, joli jean bien coupé, avec un beau bombers, avec une petite polainée, un bombers bleu, ou même un bombers d'une autre couleur, c'est canon. Et pour une fille, bah pareil, un petit jean, un long manteau en laine, un petit bonnet, une petite casquette. Et l'affaire est dans le sac. Ensuite, on passe à Mulberry. J'adore cette maison. C'est une maison anglaise en même temps. Je vous ai sélectionné un chouchou. Ce chouchou est à 55€. En fait, je sais que plein de maisons de luxe ont sorti plein de chouchous. Mais je trouve que les prix sont exorbitants. Franchement, je trouve ça très cher pour un chouchou. On va pas dépenser 200-300€ pour un chouchou, sachant que ça peut se perdre. Moi, j'en ai 4. Je sais jamais où sont les 4. Alors, j'ai pas des chouchous de luxe. Hein. J'ai vraiment, vous savez, ceux en tournicotis là. Mais un beau chouchou, ça peut vraiment accessoiriser une tenue, donc pas la peine de se ruiner. La Mulberry, c'est une très jolie maison. 55€, c'est quand même plus accessible, même si c'est cher pour un chouchou, mais franchement, ça va. Et il est rose comme ça, donc vous voyez, ça donne du peps à une tenue, sachant qu'on arrive en plein hiver, donc avoir de belles couleurs comme ça flashy, c'est canon, et même l'été. J'ai adoré cet article, donc je voulais bien évidemment sélectionné. Ensuite, toujours chez Mulberry, je vous ai sélectionné un joli bracelet Bayswater qui est la ligne iconique de la maison. Vous avez des sacs, enfin voilà, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur... Je vous ai fait tellement d'épisodes sur les pièces iconiques des maisons, mais je vous ai parlé de cette ligne. Et en fait, vous avez le bracelet qui reprend l'ouverture du sac, que j'ai trouvé très élégant. Pareil, des manchettes en cuir, il y en a chez toute maison. Mais je ne voulais certainement pas vous sélectionner à chaque fois les mêmes. Et là, voilà, il y a ce côté, ah, c'est quoi, c'est beau, ça fait luxe, mais on sait pas de quelle maison c'est, et j'aime bien la discrétion. Celui-ci est en cuir, et il est à 160€, et franchement, c'est d'un raffinement, moi j'adore les bracelets en cuir, d'ailleurs je suis étonnée, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais franchement j'en ai tous les jours. Et ensuite, j'ai sélectionné, toujours chez Mulberry, un carré en soie. Là, pareil, on sait qu'il y a plein de maisons qui font des carrés de soie. Celui-ci, j'ai adoré parce qu'il reprend tous les codes de la maison Mulberry, et en plus, il est dans mes couleurs. Le marron, le crème, le beige. Et donc ce carré est à 185€, mais c'est surtout qu'il a un côté très 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 vintage. Et du coup pareil, il est sans âge et vous avez plein de façons de porter le foulard en soie. Et enfin, on termine la vidéo avec Versace. Je vous ai sélectionné une bague Medusa à 180€. Mais si vous me connaissez bien, c'est tout ce que j'aime. Elle est dorée et argentée et j'adore. Pareil, elle est unisexe également. Et vous voyez, vous pouvez la porter en chevalière. C'est très beau, soit à l'index, soit à l'annulaire. Mais franchement, elle est magnifique. Donc à 180€. Et enfin, je vous ai dit que j'allais vous partager un code promo. Donc c'est 40 Mélissa. Je vous mets tout bien évidemment ici et je vous le remets en barre de description. Donc avec le code promo 40 Mélissa, vous économisez 40€ sur une commande de 500€, voire plus. Mais c'est surtout que ce code promo, il est valable pour les nouveaux clients et pour les anciens clients, mais il est cumulable avec les autres promotions du site. Et il y en a pas mal, il y en a souvent. Et c'est pour ça que j'adore le site Farfetch. Donc ça devient très 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 intéressant. Vous savez que moi j'adore le site Farfetch parce qu'en fait, typiquement, je n'achète
jamais les pièces de luxe au prix fort parce qu'il y a souvent des remises, etc. Donc si tu n'as pas commencé tes achats de Noël, c'est le moment. Je vais te mettre également le lien de tous les articles que je viens de citer. Donc si tu veux te faire plaisir, s'il y a des choses sur lesquelles tu as craqué, bah, n'hésite pas à commander sur ce lien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Là, je vous ai fait des idées cadeaux de luxe à moins de 200 €. Mais je vais bien évidemment vous faire la suite avec des idées cadeaux de moins de 500 €. Puisque voilà, certains d'entre vous ont des enveloppes un petit peu plus importantes. Donc l'idée, c'est de faire plaisir à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!